Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que maintenant, on distingue, elle vous l'a introduite, le glaucome de la crise aiguë de fermeture de l'angle. Le risque d'un angle étroit, c'est la crise aiguë de fermeture de l'angle, on le sait, on connaît le, on connaît le tableau clinique. On peut même se demander l'intérêt de faire une gonioscopie dans ces cas-là, puisque l'angle est, est difficilement examinable. Et la deuxième problématique, c'est la neuropathie optique. Et lorsqu'on parle de glaucome maintenant, pour parler de glaucome, on parle de neuropathie optique. Et là, c'est une neuropathie optique progressive avec un œil blanc, souvent un dolore et une pupille réactive. Je vous rappelle quand même quelque chose qui est intéressant c'est qu'une crise aiguë n'est pas un glaucome. Une crise aiguë de fermeture de l'angle n'entraîne pas une neuropathie optique progressive avec une excavation du nerf optique. Ça fait l'objet d'un article entier dans l'ophtalmologie La crise aiguë de fermeture de l'angle n'entraîne pas d'une augmentation du rapport C sur D. Donc maintenant, si on fait... Alors évidemment, avec les patients, on ne va pas leur dire « Vous avez fait une crise aiguë de fermeture de l'angle vous n'avez pas de glaucome. » On leur dit « Vous avez un glaucome aigu. » Bon, d'accord. Mais dans la nouvelle nomenclature, on doit parler comme ça. Alors, quel est le risque de faire une crise aiguë lorsqu'on a euh, un angle étroit Et c'est là l'approche thérapeutique. Alors, on sait qu'en fonction de la profondeur de la chambre antérieure... Il y avait une fréquence de la crise aiguë de fermeture de l'angle, c'est pour ça que j'ai mis GFA entre guillemets, et que plus la chambre va être étroite, plus ce risque de crise aiguë va devenir important. Ces études avaient été faites euh, il y a bien longtemps déjà, dans les années 75. Et comme vous l'avez dit, euh, euh, Esther, euh, la problématique de cette patiente va être double, c'est-à-dire un, de faire une crise aiguë, et deux, de faire un glaucome. Ce d'autant que elle a 65 ans et qu'il existe une augmentation de la taille du cristallin avec l'âge et qu'avec l'augmentation de la taille du cristallin, ce risque de faire une crise aiguë de fermeture de l'angle et un glaucome par fermeture de l'angle va augmenter. Donc elle présente deux risques, un, le risque de faire une crise aiguë et là on sait que la prévalence semble diminuer de la crise aiguë de fermeture de l'angle depuis des années depuis l'avènement de la phacoémulsification, il y a un certain nombre d'études là-dessus et deux, le risque de glaucome. Le problème, c'est qu'il n'y a actuellement pas ou peu d'études qui permettent de dire, dans une population lambda qui a un angle étroit, X va faire un glaucome dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, comme on essaye de voir dans la littérature pour essayer d'approcher la thérapeutique de ces iridotomies, il y a une étude qui a été faite par Wilensky et Rich dans les années 95, qui avait suivi 130 patients suspects de développer une crise de fermeture de l'angle, et ils avaient trouvé 20 à peu près de fermeture de l'angle à deux ans et demi, dont un tiers seulement sous forme aiguë ou subaiguë. La deuxième approche thérapeutique, c'est de dire on va proposer une iridotomie. Quel est le suivi de ces iridotomies au long cours Si on fait là également l'étude de la littérature, on a énormément d'études qui sont faites en Asie, mais là les yeux sont pas les mêmes. Et si on essaye d'avoir une approche thérapeutique sur les angles étroits des Caucasiens. J'ai retrouvé une seule étude dans, canadienne qui n'est pas si, euh, euh, enfin qui date de 2011, qui est une étude rétrospective sur euh, une grande série d'yeux sur les iridotomies et donc sur le suivi des patients suspects de glaucome. C'est donc exactement ce cas-là à qui on a fait une iridotomie. Et là, ça permet de prévenir les synéchies antérieures périphériques dans 85% des patients. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'il faut donc faire une iridotomie chez cette patiente. L'autre chose, et on avait fait une étude qu'on avait présentée à la World, Glau World Glaucoma Congress à Saint-Joseph, c'est de prendre le problème en bout de chaîne et de se dire, ben, chez les patients qui viennent avec un glaucome sévère, non contrôlé, et on avait vu 386 patients pour avis, ben, il y avait près d'un quart qui présentait un glaucome, c'est-à-dire une neuropathie optique, chronique par fermeture de langue, et 30% étaient diagnostiqués comme des glaucomes à angle ouvert. Donc finalement, qu'est-ce qui va nous faire décider d'une iridotomie chez un patient qui a un angle étroit susceptible de fermeture Les médicaments, là, elle n'en prenait pas. Les nécessités de dilater fréquemment, là, ce n'est pas le cas. Les antécédents familiaux, bah là, on ne sait pas si ces antécédents familiaux c'était des antécédents familiaux de glaucome par fermeture de l'angle ou angle ouvert. Elle n'avait pas présenté de crise aiguë, par contre, elle avait des céphalées. Est-ce que ces céphalées sont liées à un problème de fermeture de l'angle Quid Avocate, je ne sais pas si c'était un petit Petit plus un peu d'Antoine pour dire on va peut-être faire un UBM parce qu'elle est avocate, mais on ne sait jamais. Bon, on vous a dit que le trabéculum n'était pas visible avec indentation, et lorsque le trabéculum n'est pas visible avec indentation, la fermeture est probable. Et il n'y a pas de sinéciant périphérique, ça permet de faire une iridotomie sans aucune arrière-pensée de risque de euh, non-réussite euh, de l'iridotomie. Donc le fait qu'en gonioscopie dynamique, on a une réouverture de langue avec indentation, il y a peu de risques de faire une IP. C'est une intervention simple. Avec la présentation que vous a faite Elisa tout à l'heure, avec le méridien horizontal et vertical, on a moins de syndrome du ménisque des larmes. Alors, quelles sont les autres approches Thérapeutiques, puisque c'est ça la problématique. L'extraction de cristallins à 8 dixièmes. Je sais qu'il y a quelques équipes mondiales qui le proposent et que, dans certaines études, il y en a qui vous proposent ça chez des gens uniquement pour traiter leur presbytie. Nous, on se prend la tête à savoir si sur un angle étroit, on le fait ou on ne le fait pas. Pour l'instant, on ne le fait pas. Il y a une étude qui va peut-être la montrer, qui est faite actuellement en Angleterre, qui s'appelle Eagle, c'est l'aigle. Vous voyez, Effectiveness in Angle Closure Glaucoma After Lens Extraction. Mais là, c'est surtout chez les patients qui présentent un glaucome, c'est-à-dire une neuropathie optique glaucomateuse avec un angle étroit. Et non pas un angle étroit avec un nerf optique normal, c'est la question qui m'était posée. Alors, l'autre approche, mais ça me paraît un peu plus cabreux, c'est l'abstention et la surveillance. C'est-à-dire là, il faut quand même l'expliquer les risques de crise aiguë de fermeture de l'angle. Il faut lui dire, est-ce qu'elle s'éloigne, est-ce qu'elle va partir sur un bateau, est-ce qu'elle risque d'aller loin, qu'est-ce qui risque d'arriver, et voilà, voilà du diamox, si ceci, voilà de la pilocarpine, si cela. Moi, il y a toujours un balance bénéfice-risque de faire un peu les Moi, pour les c'est une intervention simple, ça traite la cause, ça prévient le glaucome, donc la neuropathie optique glaucomateuse, ça évite la crise aiguë. Alors contre, le coût. Quigley a montré que 50% des, des coûts de, des, des angles suspects de fermeture sont liés à l'iridotomie. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'études, mais on ne peut pas vraiment faire d'études prospectives, randomisées, avec un œil IP, un œil pas IP, pour savoir si l'œil qui n'a pas eu l'IP fera plus de crises aiguës ou de glaucoma dans l'avenir. L'autre, c'est l'extraction du cristallin, mais personnellement, je plaiderai plutôt en faveur, dans l'approche thérapeutique, d'une iridotomie. Je vous remercie pour votre attention.